What do you dream for? That less people have to say goodbye too soon. Avec sa technologie novatrice, ses objectifs ambitieux et son aura mythique, la start-up Theranos devait transformer la médecine et sauver des millions de vies. Nombre d'investisseurs ont placé leur confiance et leur argent entre les mains de sa fondatrice, Elizabeth Holmes, alors considérée comme la nouvelle Steve Jobs. Des médias jusqu'à la Maison Blanche, tous l'encensaient. Elle en est même devenue la plus jeune milliardaire n'ayant pas hérité de la fortune de sa famille. Une seule ombre au tableau, sa technologie révolutionnaire ne fonctionne pas. En 2003, Elizabeth Holmes, alors âgée de 19 ans, abandonne ses études à Stanford pour fonder son entreprise, Theranos. Elle a pour ambition de développer un dispositif compact, capable d'effectuer des centaines de tests sanguins, y compris de diagnostiquer certains cancers ou le sida, avec quelques gouttes de sang seulement. Si après deux semestres en génie chimique, la jeune femme n'est pas une experte, elle en a pourtant l'assurance. Elle loue un bureau dans la Silicon Valley, cultive le culte de son propre génie et empoche des centaines de millions de dollars d'investissement. Ses investisseurs sont prévenus, elle ne dévoilera pas les détails du fonctionnement de sa technologie. Une culture du secret inspirée par son idole, le cofondateur d'Apple, Steve Jobs. Elle copie tout, de son look à la décoration de son bureau, et recrute même des membres de l'entourage du mania des technologies. Elle devient la figure de proue de Theranos, sorte de gourou enorgueilli par sa détermination, sa passion, sa vision et son ambition. Fake it until you make it, ou quelque chose comme ça. Elle serait même allée jusqu'à rendre sa voix irrémédiablement plus grave, croyant que cela la rendrait plus convaincante. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ressembler à son idole? Theranos développe finalement le premier prototype, baptisé l'Edison, en hommage au fameux inventeur. La petite boîte magique est censée remplacer les analyses en laboratoire. Quelques gouttes de sang suffisent pour obtenir un bilan plus que détaillé et diagnostiquer des maladies en temps réel et à moindre coût. Une révolution. Pour tous les experts, y compris ceux de l'entreprise, c'est impossible. Pourtant, Holmes, enivré par l'atmosphère et l'hubris de la Silicon Valley, prêche le contraire et renvoie tous ceux qui osent en douter ou qui posent des questions. La prestance de Holmes la propulse au rang de star. Elle peut ainsi compter sur des grands noms pour rejoindre son conseil d'administration. Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain. James Mattis, ancien secrétaire à la défense des États-Unis sous Trump, surnommé Mad Dog. Et plusieurs autres poids lourds de la politique américaine. Elle a même été invitée à dîner à la Maison Blanche par les Obama. Les autres grands investisseurs qu'elle a su séduire incluent Rupert Murdoch, la famille Walmart et le multimillionnaire Ramesh Balwani, plus connu sous le nom de Sunny. Plus qu'un investisseur, Sunny devient le compagnon et l'associé de Holmes. En tant que directeur des opérations de Theranos, il devient le bras droit de la jeune entrepreneuse. La plaque d'immatriculation de sa voiture de sport est une abréviation de la célèbre citation de César, « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. En 2013, l'entreprise annonce avoir enfin atteint son but. L'Edison est prêt. Mais personne ne sait comment fonctionne cette nouvelle technologie. Un secret industriel très, très bien gardé. Smiley clin d'œil. La valeur de Theranos est alors estimée à 9 milliards de dollars. Holmes devient alors la plus jeune milliardaire n'ayant pas hérité de la fortune familiale. Elle apparaît sur scène et à la télévision, participe à des TED Talks, est nommée ambassadrice des États-Unis pour l'entrepreneuriat à l'international par la Maison Blanche et fait la une des magazines Forbes et Fortune. La success story de cette jeune femme ayant abandonné ses études pour changer le monde et devenir milliardaire séduit. Seul bémol, tout est faux. En août 2015, une enquête est ouverte par la FDA, l'agence fédérale américaine en charge de la pharmacovigilance, qui découvre des inexactitudes considérables dans les résultats des tests effectués par Theranos sur ses patients. Deux mois plus tard, le Wall Street Journal révèle dans un article que l'incroyable dispositif d'analyse sanguine en temps réel n'a pas produit de résultats concluants et que Theranos a utilisé un éventail d'appareils traditionnels pour conduire ses tests et cacher les défauts de son invention. Lorsque des investisseurs potentiels venaient visiter les laboratoires Theranos, on leur faisait d'abord un prélèvement sanguin destiné à être analysé par l'Edison. Puis on leur faisait faire un long, très long tour des bureaux. Pendant ce temps-là, leur prélèvement était envoyé dans les sous-sols pour analyse grâce à des procédés classiques. À la fin de la visite, les investisseurs recevaient leurs résultats, soi-disant obtenus grâce à l'Edison. Suite à la publication de l'article, Holmes s'est défendu sur la chaîne CNBC. This is what happens when you work to change things and... First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. En mars 2018, il n'est plus question de changer le monde.
La SEC, l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, accuse Holmes et son ex-compagnon Sonny d'escroquerie. Elle accepte immédiatement de céder le contrôle de l'entreprise, de payer une amende de 500 000 $ et de restituer 18,9 millions d'actions. Peu de temps après, les actionnaires reçoivent un email annonçant la fermeture de Theranos. Anéantissement total. Depuis, Holmes a été reconnu coupable d'escroquerie. Pour le procureur, ce n'est pas une visionnaire, mais bien une arnaqueuse. Le dénouement dramatique de cette fable de la Silicon Valley réjouira certainement les scénaristes hollywoodiens. Un film est déjà en production avec Jennifer Lawrence dans le rôle d'Elizabeth Holmes.